Alcor International's British Stream Centre number 96708, candidate Mohamed Azel Goumé, candidate number 2079, paper number 2B, picture-based discussion, topic sport and leisure. Bonjour, est-ce que tu peux me parler de ton sujet, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Hazel et j'ai 17 ans. Mon sport préféré est le foot et normalement je joue au foot une fois par semaine. Pour moi, le foot est plus qu'un sport, mais peut-être aussi bien une leçon de vie. Le football n'est pas seulement tapé dans un ballon, mais il nous enseigne à propos de l'esprit sportif, fidélité, travail d'équipe, contrôler vos émotions et être positif. Paolo Maldini est l'un des joueurs de foot qui nous a enseigné sur la loyauté. Il est un ancien joueur de football italien, réputé pour son fair play. Il a passé l'intégralité de sa longue carrière de 25 ans au sein d'un seul club, l'AC Milan, avec lequel il a remporté entre autres 5 Ligues des Champions. Et l'AC Milan retiré le numéro 3 du club et sur les fils de Paolo pourront porter ce numéro. Dans les prochaines années, son fils remplacera sa position dans l'équipe et puis quelques mois plus tard, Paolo va jouer un match pour la charité avec l'équipe légende, l'AC Milan. Son premier fils va commencer sa carrière professionnelle la saison prochaine. En conclusion, je dois dire qu'il est vraiment mon modèle et j'espère avoir une mentalité de gagnant comme lui. Voilà. Ok, d'accord. Alors, tu as parlé d'un problème à l'AC de Milan. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Milan AC vit une période difficile. Parce que ces dernières années, 11 ou 12 joueurs sont partis. Ils avaient été formés au club. Ils avaient l'habitude de jouer ensemble. Ok, d'accord. Alors, quels sont les facteurs qui ont joué là-dessus? Le club n'a pas su les remplacer, d'une part, à cause de changements des contextes économiques. Mais peut-être en raison d'un manque d'anticipation de leur part. En tout cas, le changement de génération a fait plus de mal qu'il n'aurait dû. Ok, alors que penses-tu de Maldini en particulier? J'ai bien connu Maldini en tant que joueur, mais être entraîneur, c'est un autre métier. Il doit encore s'épreuver. Et vous, que saviez-vous à propos de Maldini? Ben, je le connais par la télévision, mais je suis pas un spectateur de foot, mais je sais que c'est une star, c'est une célébrité au niveau du football. Et donc, quelle sera ta conclusion en général? Pour lui, ce sera assurément un bon décès, à la fois très, très important et très difficile. De toute évidence, ça ne va pas être meilleure façon
de débuter à ce poste. Ok, je vous remercie. End of task.